Mesdames et messieurs, qui ça nouvelle là hier, eh bien, yon lot déception pour Michel Joseph Matéli. Moi elle ça yon lot déception, est-ce que me carrelé yon lot déception et après que brillant mort ti Olivier te couru et pas connait est-ce que c'est eux même qui t'ai planifié mais cette fois-ci et nouvelle ça et journal international Fink Balil et était connecté vite l'homme innocent continuer à faire et des faits dans pays d'Haïti gagnent et ti messier et grand avenue qui envahit population Kafoufè là nan moment même n'a enregistré vidéo ça et c'est gros rel qui gagne dans Kafoufè donc si gen policier k'ap tande et ou même ou ka partager vidéo ça yon façon à ce que pour que nouvelle là capable rive nan tête PNH là ou demain nan tête ro commandant ro graté yo nan tête la police nationale d'Haïti. Rete connecté n'ap retourner parce que c'est gros problème pour famille Michel Joseph Matéli. Pas oublier mesdames et messieurs, ou gen seul devoir pour faire si ou toujours voulez rester informé. Ou gen intérêt pour capable abonner avec channel ça, quitter un commentaire dans espace qui réservé à commentaire et toujours dit qui côté ou attendez nous, qui côté ou regardez nous. Nous saluons tout le monde qui en Haïti ou même qui aux États-Unis, Canada, Chili, Brésil ou même qui en République Dominicaine, yon gros salutation pour nous chaque. Mesdames et messieurs, bandi grand avin envahi plusieurs zones dans Kafoufè, gen moun ki eta déjà victime en babal bandi yo nan moment là, moun zone nan obligé koui kite kayo. Eh bien bandi ti lapli et avec tout acolyte li yo c'est nèg sa yo ka fè et des fè nan pays d'Haïti comme genyen policier sniper qui te voye un pinga bay tout moun ka Kafoufè qui averti yo bien entendu pou yo évacuer zone nan kite zone nan parce que sa kwa rive la pa piti et bien mesdames et messieurs nous ta souhaité que nèg sa yo fè yon jan pou retire démon sa yo qui empêche population vaquer à occupation. Mesdames et messieurs, et c'est sur tout internet là déclaration ça du moins nouvelle ça que la fille Benjamin ou du moins la dernière fille ou du moins on capable dire dernière petite Michel Joseph Matélia qui c'est Malaika et Martelly et de l'ancien président haïtien Michel Joseph Matéli a été arrêté par des autorités de Californie suite à une plainte déposée contre elle. Mesdames et messieurs, un paquet de précisions qui part bail dans déclaration du moins dans nouvelle là, mais c'est confirmé mesdames et messieurs, ils ont arrêté demoiselle là qui c'est Malaika. Donc moi j'ai une nouvelle là sur une page internationale donc moi dis c'est confirmé c'est parce que page là son page qui vérifie par quoi yon page si tout page internationale et t'apral lagué yon bagay comme ça donc c'est pas haïtien l'aime dit c'est pas haïtien paquet nèg sur internet là k'ap voye monter donc moi essayer partager ça avec nous bon bam mettez nouvelle là au conditionnel faut m'ta dit t'assemblé mesdames et messieurs et yo arrêté et dernière petite fille Michel Joseph Matélia qui c'est Malaika et moins bien dit assemblé parce que gen des informations nous doué al chercher vérifier yo et bien que côté jeune information ça c'est sur une page qui vérifie et c'est une page internationale donc une page jeune sur page ici et c'est ça fait baka gen doute sur li à 100% mais laisser international gen des journalistes international et qui pap lagé un bagaille comme ça parce que on connaît pays côté à vivre là gain bagaille ou pas ka di sou moun comme ça. Mesdames et messieurs, vite l'homme innocent continue à faire et défaire, c'est les mêmes qui wa, c'est les mêmes qui chef. On écoute ça mesdames et messieurs, n'après tout. Pas comprendre bagaille ça. États-Unis à terre là, vite l'homme empêcher ambassade comme si vite l'homme qui c'est voisin américain li empêcher américain fonctionner sous territoire li et puis tout monde capable garder yo on ta remon moun ki plus avisé expliquer m'bati ça parce que côté ambassade là il y a ces territoires américains
Oui, en dans l'ambassade là. Nous dit ça. Et pas parce que américain même s'il était Haïti. Côté ambassade Haïti aux États-Unis, c'est territoire haïtien lié. C'est-à-dire si Haïti en difficulté, li ka rentré en dans l'ambassade li qui c'est territoire. Yo doit le protection. Ça veut dire que côté ambassade États-Unis hein, dans ta barre là, c'est territoire américain. Comment bon, m'ta aimé pour américain dim. Comment le faire à le supporter Ukraine, c'est pas même combat. Gon question d'intérêt, mais attention. Pour qui ça l'a supporter Ukraine? C'est parce que justement, li estime eh ben territoire li menacé avec la Russie. Mathieu Fleurant, tenez bien, oui. Ça le dit que li senti que territoire menacé si la Russie ta vin prend pied sous Ukraine. Eh ben comment faire pour vite l'homme qui c'est voisin américain qui partage même territoire avec lui pour la faire tout déblosaï ça et eh puis c'est comme quoi américain pas concerné ou bien ça va dire hein bon bah ça pas comprendre bah ça nous que ambassade de la Rodelia c'est le territoire américain. Ça le dit vite l'homme c'est voisin américain. Comment pour vite l'homme gain toute autorité ça en face les États-Unis? On pas comprendre petit parti ça. Bon d'ailleurs, le fait que aussi tu as une force multinationale qui vient à Haïti, États-Unis t'es supposé en tête de liste. Parce que lui-même il va fonctionner. Si lui-même il va fonctionner, ça le dit automatiquement t'es supposé en tête de liste pour dire que faut une force qui vient et n'a pas contrôle là. Bon, pour que ça revienne aux États-Unis, Canada, il y a caché derrière Kenya pour venir prendre en force, alors que Kenya va gagner pour avec nous. Qui est-ce qui, entre guillemets, en difficulté pour l'instant? C'est les États-Unis. D'ailleurs, c'est de temps en temps que sorti une note pour dire que citoyens américains en difficulté en Haïti, ils n'ont pas qu'à circuler, ils ont demandé pour entrer la caillou, etc., etc., pour ils ont demandé pas traverser telle zone. Ça veut dire que américains en difficulté en Haïti. Si américains en difficulté, c'est pas seulement haïtien. Ça dit, pas midi, ritiwaj goûte graisse. Pendant les États-Unis ont vint protéger citoyens liés en Haïti, l'État tout font geste tout pour ban non ti brise. Ça dit même ambassade des États-Unis pas protégé non dans pays là. On pas comprendre parti ça qui donc États-Unis. Nous pas comprendre. Nous pas comprendre. Bah yo compliqué, m'dou nous prendre un complot pas comprendre. Ça dit là m'dou nous prendre un complot. Son complot à tous les niveaux, c'est pas comme si j'en pensais là. Parce que m'a juste à réfléchir. Comment pour vite l'homme gain toute puissance, gain tout pouvoir ça, alors que vite l'homme c'est voisin américain, alors que américain, disons les États-Unis, c'est eux-mêmes qui ont formé, qui ont bail police nous en moyen, gain quelques corps, c'est États-Unis directement qui ont gain parole à clé, par exemple SWAT. Alors que vite l'homme, li gen possession, li gen pouvoir le faire saler. Base PLT, BLTS, li tout près ambassade des États-Unis. Li en face vite l'homme. Nan yo passe dans deux bases BLTS. Yo al tire balle sous terrain UNIFA. Et pendant ma parole avec la, gen gros menace pour attaquer l'université Aristide là. Ça tape dernier goût de l'eau. Parce qu'on est grimé, là, pas une question politique. Faut d'accord son bon bagage Aristide fait là dans ta batte, qui a utile la jeunesse. Qui a utile. Allez, si nous quittons vite l'homme crasel, qu'on a son paquet sanguiné dans le pays. Son pays difficile n'a vivre là. Tout bon, oui. Et c'est vrai, donc tout le monde connaît que le pays ça c'est un pays qui est plus difficile qui gagne dans le monde. Le pays d'Haïti, son pays tête chargée et toute bagaille qui est impossible dans l'autre pays, li possible en Haïti. Mesdames et messieurs, c'est là nous mettons en bout avec l'émission. Nous toujours disons ça, pas oublier abonner, liker, partager, quitter un commentaire dans l'espace qui est réservé à commentaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allez à la prochaine.